que quand vous avez fait paraître, c'est moi qui vous le dis, et puis dernière fois, on voit dans chaque département les fréquences qui étaient occupées par certains OM et ainsi de suite. Hein. Enfin, j'ai feuilleté un tout petit peu partout là, hein, tant que, quand j'ai vu ça. Et après j'ai eu un coup de téléphone pour aller faire rejoindre un copain aujourd'hui. Et puis ben, c'était, voilà, j'ai pas pu sauver la plage. Bon ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je vais quand même permettre de passer le micro à Daniel. Daniel, est-ce que tu l'entends à la station cette fois-ci là? Tu vas pas me dire que tu l'entends pas, hein? Retour Daniel. Ok, ben j'ai pu tout suivre, hein, il n'y a pas de problème. Et ce qui serait intéressant, c'est que justement, vous venez, là, toute l'équipe là, de Marmande, tu sais, vous venez nous rejoindre sur le journal du 11 mètres. Là, ce serait assez intéressant justement là, de partager vos informations. Ouais. Là, qu'on puisse apprendre à vous connaître, hein, ça serait pas mal. Parce que c'est
Ok, ben c'est super sympa tout ça, mais ce qui serait bien, c'est que justement, vous venez en discuter avec nous, là, sur le journal du 11 mètres. Hein. D'autant plus que, bon, nous avons le rédacteur en chef, c'est-à-dire Pierre, et après le site qui, lui, est carrément, a été créé justement par des radioamateurs. Et le principal radioamateur, justement, qui s'occupe de celui qui a créé le site lui-même, c'est l'opérateur Jean. Que vous pouvez retrouver facilement sur le journal du 11 mètres. Et il y a toute la partie forum, justement, qui est très intéressante pour vous. Et là, vous me parlez de logiciels. Et bien, justement, il y a une partie consacrée au logiciel, là, sur le forum. C'est pour ça que là, il serait assez intéressant que vous venez nous rejoindre. Comme ça, au moins, ça permettra de partager un maximum d'informations. Ça serait vraiment super sympa, parce que ça fait un moment que je vous écoute. Et c'est vrai que là, sur tout le secteur de Marmande, là, on peut le dire, il n'y a que des stations Cuiro par là-bas. Hein. À y ajouter là-dessus. Hein. Voilà, oui, bon, entre nous ici, comme on dit, hein, comme on fait, hein, bien, c'est gentil de votre part, et donner des fleurs comme ça, hein, qu'il n'y a que des OMQRO sur le Marmandais. Voilà, hein, de ce côté-là. Oui, eh bien, de mon côté, c'est pareil, hein, je vais vous dire franchement, de mon côté, c'est exactement pareil. De ce côté-ci, bon, je pratique un tout petit peu dans tous les modes, comme dit d'autres, fournis très peu, je viens de temps en autre faire le petit coucou à peu près tous les matins. Et puis, ma foi, si on me répond, je suis content. Si on ne me répond pas, je n'en tiens pas rigueur, hein, sur le 11 mètres. Et ainsi de suite. Et voilà. Donc, ben, je suis plus actif de l'autre côté. Voilà. Donc, je suppose que vous avez tout très bien compris. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis tombé tout hasard là-dessus. Bon, il y a énormément de très beaux articles d'écrit. Voilà. Hein, donc, c'est ce qui est magnifique. Voilà ce que je peux ajouter. Qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Oh, pas grand-chose supplémentaire. Oui, donc ce que j'avais vu, voilà, c'est pour cette raison que j'ai proposé ce matin le 26. J'ai vu que le 26 était occupé par personne. J'ai dit, bon, allez, attends, en FM22, on va laisser tranquille, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que j'ai proposé le 26 ce matin, voilà, après avoir lu ce petit article. Voilà, donc je vous repasse tranquillement le micro. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. 92, il a davantage, Daniel, je veux dire, 92, il a davantage de technique que moi, je viens de dire là-dessus. Et c'est pour ça que je ne m'étends pas trop sur la technique, moi, de mon côté. Ah si, j'aime bien appuyer sur les boutons et puis faire marcher les machines, comme dit l'autre. Et puis, j'aime bien faire voir à certaines personnes comment il faut faire pour retrouver certaines choses dans certains logiciels. Donc cet après-midi, c'est ce que je vais faire. Je m'en vais là sur Toninké et faire voir à d'autres personnes comment il faut travailler avec certains logiciels. Voilà. Mais pour explication, ça, c'est du négatif. Bon, maintenant, ce qu'il y a d'aller sur un forum, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien d'aller sur un forum, discuter entre nous par via le forum. Mais ce que j'aimerais préférable, de discuter avec d'autres personnes via les ondes. Voilà. Dans cette façon-là, il y a d'autres personnes qui participent et qui n'ont pas la possibilité d'aller sur les forums. Voilà. Allez, je vous repasse le micro. Ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et moi, ma démarche va dans le sens de créer une interaction entre la radio et Internet. Certains disent que c'est pas possible, et pourtant, on le fait très bien, et ça fait déjà un moment qu'on le fait. Et ce qui fait que les informations partagées sur Internet sont également partagées sur la radio et vice-versa, quoi. Et ça permet de, justement de montrer aux esprits les plus réfractaires envers la radio, envers la CB, que eh bien, la radio est toujours au goût du jour. Et c'est pas quelque chose, la radio n'est pas du tout quelque chose de ringard comme certains peuvent l'imaginer, bien au contraire. Voilà, ça permet de lier le tout, quoi. Ok, pour ça, hein, mais oui, non, mais c'est ce que je dis moi-même. Hein. Bon, Internet, c'est bien une chose. Hein. Discuter par Skype, c'est une chose qu'on peut réellement écrire sans avoir le courage de le dire sur les ondes.
Voilà la différence que je fais. Car là-dessus, si j'ai envie de dire à une personne ce que je pense, je ne vais quand même pas me cacher de le dire. Et d'autres l'entendent. Mais via Internet, et bien, ma foi, on peut écrire un message qu'on désire. Et il n'y a que la personne qui le reçoit, qui le voit. Hein. Et c'est là que je vois la même personne n'a pas le même courage de le dire sur les ondes. Bon, enfin bref, rentrons pas dans ces détails. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Hein. Mais ça ne regarde que moi. Hein. C'est mon opinion à moi. Il y en a énormément qui m'ont demandé, je vais vous dire franchement, de me mettre, allez, comment vous dire ça, via Internet, et donner l'adresse Skype, ceci. Non, non, j'ai dit, ça, pas question de ce côté-là, vous ne l'aurez pas agité. Et je ne discuterai pas là-dessus avec vous. Voilà, si on a quelque chose à se dire, on se dit via les ondes et que les gens entendent. Ah, mais c'est vrai qu'en le disant, ce qu'on pense réellement, on se fait une mauvaise image de marque de soi-même de ce côté-là. Retour d'une. Retour Daniel. Ah non, je suis toujours là, j'ai pas compris. Ah oui, non, c'était avant que j'avais repassé le micro aux dunes. Non, je suis trois coups. Non, c'est quand vous avez dit dune que j'avais pas compris. Non, moi c'est dandy. C'est pas grave. Ok, dune peut être diminutif, il n'y a pas de souci, ça me va aussi. Non, mais c'est sûr qu'à la radio, on a le plaisir de pouvoir entendre des personnes, c'est pas comparable. Hein. Mais bon, je reste persuadé quand même que les deux sont largement compatibles. Puisqu'on ne peut pas toujours avoir les personnes au moment où on le voudrait à la radio. Et donc, par l'intermédiaire d'un forum, comme là, par exemple, le journal du 11 mètres, ça permet de mettre l'info, de partager les infos, et de répercuter ensuite sur la radio. Et moi, je suis persuadé que c'est un ensemble qui est largement complémentaire. Oui, d'accord, pour un complément, exactement. D'accord, ça fait un complément, oui, mais enfin... Je vous dis oui, moi je le vois pas, je le vois un tout petit peu différemment. Bon bref, c'est pas méchant, hein. Est-ce que voilà, allez, attends, Daniel, est-ce que tu veux reprendre? Mais soit plus en rajouter, tout simplement, voilà, voici l'organisation un petit peu du Marmandais, parce qu'on est tous des petits membres de passionnés. Chacun évolue selon ses moyens financiers pour tel et tel appareil. Ah ça oui. Non, non, pas du tout, pas du tout, c'est les informations tombent au fil de l'eau, donc les informations les plus récentes poussent les autres, mais elles sont toujours là, il faut aller dans la partie du forum, et si vous parlez en particulier des canaux habituels utilisés, comme le canal 22 FM par exemple, un truc comme ça, vous pouvez retrouver ça très facilement dans la partie forum, alors rubrique forum principal. Voilà, il faut fouiller un peu partout, toutes les infos y sont. Et d'ailleurs, pour ma part, j'ai écrit déjà plusieurs articles que vous pouvez trouver très facilement sur le forum, sous l'indicatif dandy33, hein, toujours pareil. Et tout est stocké dans le forum, il n'y a aucun problème.
La page d'accueil est une chose, la page d'accueil c'est l'actualité au fil de l'eau, et au fur et à mesure que des infos tombent, les anciennes se retrouvent poussées un peu plus loin, mais tout est stocké dans le forum, il n'y a aucun problème, il suffit de fouiller dans les différentes rubriques et vous retrouvez systématiquement tout. Hein. Ah là, j'ai du mal à vous sortir, là j'ai une petite montée de QRM, j'ai pas compris. Hein. Ok Daniel, ok pour ça. Oui, donc il a dit comme ça que tu t'en vas dans la page d'accueil et puis au fur et à mesure que ces articles sont mis, les autres sont poussés et tu retrouveras ça dans les rubriques côté page d'accueil. Voilà Alain, excuse-moi, non Daniel. Oui. Donc, il y a Daniel 92 qui a demandé si vous êtes équipé USB. Retour à vous. Ouais, affirmatif. Je rectifie un truc pour le journal du 11 mètres. La page d'accueil, les informations tombent au fil de l'eau, donc les anciennes se trouvent poussées par les nouvelles. Mais vous pouvez tout retrouver dans le forum. Tout est stocké dans le forum, ça n'a aucun problème. Pour la BLU, oui, il n'y a aucun problème puisque je suis équipé d'un Yasu FT450. Donc on va où vous voulez tant que c'est sur la bande CB, quoi. Ok Daniel, oui, il est équipé, donc on peut aller où c'est qu'on veut. Et ouais, donc je ne vais pas en dire davantage. Bien pris, hein. Bien pris. Donc après, bon, pour s'inscrire au forum, là, il faut s'inscrire. Je comprends, je le vois très bien, hein. Donc pour retrouver certaines rubriques, ce qui est formidable. Je regrette un tout petit peu, comme je reviens là-dessus. Donc on est obligé de s'inscrire. Et s'inscrire, donc vous ne pouvez pas le faire directement. Ah mais pas du tout. Pas du tout, c'est juste pour poster qu'il faut être inscrit. Pour visualiser, tout est en accès libre. Non, non, il n'y a aucun problème, hein. Que ce soit la page d'accueil comme le forum, tout est en accès libre, hein. Tout est en accès libre en lecture. Donc il n'y a aucun problème, vous n'avez aucune obligation de vous inscrire. Hein. Non, 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 c'est ça aussi la radio, c'est la liberté. Daniel, où c'est que tu veux aller en USB? Oui, vous avez reçu, donc il y a 92 qui dit comme ça que le 26 il est occupé par un relais là. J'espère que c'est arrivé jusqu'à chez vous. Ouais, j'ai entendu le message, il n'y a aucun problème. Je disais donc, du moment qu'on reste sur les fréquences CB, moi ça me va. Hein. Et pour le poste, je sais pas si vous avez entendu, ouais, j'avais dit que j'ai un Yasu FT450. Bon, c'est un bon petit poste, hein, c'est un bon petit matériel, hein, j'ai aucun problème avec, bien au contraire. Hein. Comme on dit, voilà, donc 73-51 tous les trois.